Salut, bienvenue sur la chaîne Parlons Français. Welcome to the channel Let's Speak French GH. Je m'appelle Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons apprendre les jours fériés au Ghana. So, today we are going to learn the holidays in Ghana. Without wasting time, we are going straight to the first one. The 1er janvier. That is the 1st January. Le jour de l'an. Secondly, nous avons le jour de Pâques. Le jour de Pâques. Nous avons le lundi de Pâques. Donc, le lundi de Pâques, en français, en anglais, nous allons l'appeler Easter Monday. Le lundi de Pâques, Easter Monday. Nous avons le 6 mars. Le 6 mars, c'est le jour de l'indépendance du Ghana. Le 6 mars, le jour de l'indépendance du Ghana. Le 1er mai. Jour de la fête du travail. Le 1er juillet, la fête de la République. Mais cela n'est plus. La fête des agricultures. Le vendredi au mois de décembre. C'est le fameux jour de la fête des agricultures. Le 25 décembre, le jour de Noël. Le 25 décembre. Le 26 décembre, le lendemain de Noël. C'est aussi un férié. La fête des musulmans pour marquer la fin du jeûne religieux. That is the festival that is usually celebrated after Muslims have finished fasting. Then, nous avons dépend la fête Eid al-Fitr. Ceci dépend du mouvement de la lune. Donc, we have the festival of Eid al-Fitr, and this festival usually depends on the movement of the moon, le mouvement de la lune. Ok, merci d'avoir écouté Let's Speak French. You can subscribe to the channel if you want to join us. Thank you, merci, au revoir.